Je suis Baha Labib, membre du COSA Move, coordinateur du mouvement Osons Oser. Le gouvernement, il nous avait dit officiellement qu'il n'y a pas, il n'avait pas prévu des activités. C'était juste venir à la place des martyrs, poser la gerbe de fleurs. Donc, nous, on a organisé d'abord des activités avant même aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a eu à faire ce carnaval-là avec toutes les populations de l'Abbé, comme vous l'avez si bien vu. Donc, jusqu'au stade. Arrivé là-bas, comme il y avait la pluie, on a jugé nécessaire de les attendre. Donc, on les a attendus, mais fort malheureusement, quand ils sont venus, ils nous ont dit que les jeunes ne vont pas s'exprimer. Tandis que nous, on avait déjà prévu un discours. On avait des messages à la jeunesse, particulièrement à la jeunesse. Parce que le slogan de cette fois-ci, c'était quoi? C'est l'heure de la jeunesse a sonné. Donc on avait un message très fort à l'endroit de cette jeunesse-là. Mais les autorités viennent nous dire que l'expression des jeunes ne figure pas dans le protocole. Donc c'est ce qui a fait le couac entre nous. C'est Diallo Oumar Sadio, membre de la COSA Move l'Abbé. Ce qu'il faut dire par là, et au début, on avait cru qu'on était avec eux. Mais à la fin, ils ont voulu changer de veste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est que toute cette organisation que vous avez vue aujourd'hui, cette mobilisation grandiose, c'est grâce à la jeunesse de l'Abbé qui s'est réunie au sein de la COSA Move. Donc on s'est mobilisé, on a réussi à mobiliser toute la jeunesse de l'Abbé au niveau du stade. Ils viennent en dernière position, les responsables bien sûr, en l'occurrence le maire, et aussi le représentant du gouverneur et le représentant du préfet. Ils sont venus nous dire que voilà, comme d'habitude, à l'Abbé ici, on n'a que trois discours à lire. On leur a demandé quels sont ces discours-là. Ils nous ont dit le maire, le préfet et le gouverneur. J'ai dit c'est vrai. On a dit quand même c'est vrai. D'habitude, ce sont ces trois discours-là qui sont lus. Mais cette fois-ci, il y a une particularité. C'est quoi cette particularité? Même le slogan de la COSA Move, c'est l'heure de la jeunesse a sonné. Donc on ne va pas se décarcasser à mobiliser tous ces citoyens-là et qu'ils nous disent qu'on ne peut pas prononcer un message à l'endroit de ces citoyens. Donc on leur a dit, vu que c'est nous qui avons mobilisé toute cette population-là, si nous n'avons pas un mot, un message à passer à ces citoyens-là, donc on va forcément faire le discours et aussi disperser les gens. Donc c'est ce qui fut fait au stade. On a réussi à faire le discours compromis et on a dit à tous ceux qui sont venus au nom de la COSA Move de vider en quelque sorte le stade et voilà, ils ont obéi.